Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Je vous propose aujourd'hui la soupe de citrouille qui est très bonne, onctueuse, savoureuse, avec la citrouille, les lentilles rouges, du cumin, un peu de cannelle et du gingembre. C'est une très bonne soupe à préparer pendant l'automne, vous allez l'adorer. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Voici la recette. Voici les ingrédients que je vais utiliser pour préparer ma soupe de citrouille. Premièrement, j'ai besoin d'un morceau de citrouille que j'ai préalablement lavé et nettoyé. J'ai environ 5 cuillères à soupe de lentilles rouges, un peu de coriandre fraîche, 3 gousses d'ail. La moitié d'un fenouil, 2 branches de céleri avec un oignon. Pour les épices, j'ai besoin d'un petit peu de cannelle, la moitié d'une cuillère à café, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma et du sel. Voilà. Maintenant, passons à la préparation. Premièrement, dans un fêteau, je vais verser environ 3 cuillères à soupe d'huile végétale et je vais mettre dedans le fenouil, le céleri et l'oignon coupé, juste coupé en morceaux. J'ajoute dessus la citrouille coupée en morceaux et j'ajoute aussi les lentilles rouges rincées. Et égoutter bien sûr. Vous pouvez remplacer la citrouille par la courge poivrée, la courge musquée. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle courge de votre choix. J'ajoute aussi les épices et le sel. Vous allez voir, c'est très facile, mais la soupe, elle est très savoureuse. Je mélange bien, puis je vais les faire revenir. Je vais fermer la marmite et je vais les laisser pendant 5 à 10 minutes sur un feu moyen, bien sûr. J'ai oublié de mentionner, pardon, que j'ajoute une cuillère à soupe de gingembre frais à ma soupe. Ça rajoute un très très bon goût à cette soupe. Après quelques minutes de cuisson, je vais ajouter de l'eau dans ma marmite. Je vais couvrir les légumes complètement. Voilà. Je vais couvrir et laisser cuire le tout pendant 20 à 30 minutes, toujours sur un feu moyen. Après 30 minutes, voilà, moi, c'est en ce moment que je vais ajouter la coriandre avec les 3 gousses d'ail. Après avoir ajouté ces deux ingrédients, je laisse encore la marmite sur le feu pendant 2 minutes avant d'éteindre le feu et de la mixer. Ma soupe est prête, maintenant c'est le moment de la mixer et de la présenter. Après avoir mixé ma soupe, regardez, elle est légère, onctueuse. Moi, je la préfère comme ça, mais si vous voulez que votre soupe soit un peu plus épaisse, donc au moment d'ajouter l'eau, mettez-y moins d'eau. À la fin, vous pouvez mettre de la crème dessus, mais sinon, moi, je préfère mettre un filet d'huile d'olive. J'aime beaucoup le goût d'huile d'olive dans ce genre de soupe. Donc voilà, je mélange, puis elle est prête à servir. Ma soupe à la citrouille est prête, elle est bonne, veloutée et surtout onctueuse. Elle dégage un bon parfum grâce à toutes les épices qui sont mélangées avec ce légume qui a beaucoup de bienfaits pour la santé. Il faut le consommer pour 3 raisons. Premièrement, il prévient les maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, il aide à soulager en cas de constipation. Troisièmement, il aide beaucoup en cas d'insomnie et d'anxiété. Alors pourquoi pas le consommer et l'inclure dans vos repas du quotidien? J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.